matinée qui va être consacrée, bien sûr, à la présentation d'un programme de mise à niveau logistique des PME, qui est le fruit d'un partenariat privé entre le ministère des Finances, le ministère des Transports, le président de la 7e région Guinée-Bissau, que je vous invite pour un petit mot de bienvenue, bien sûr. Monsieur le Président, pour la parole. Comment c'est les publics pour s'organiser pour cette petite conférence, ou bien cette journée sur cet événement. Il y a eu des mails, mais j'étais un peu pris, donc je n'ai pas très bien suivi le déroulement des choses. Ce que je peux dire, des partenaires avec nous, on a des présidents de commission, donc il y a Cyril qui s'occupe un peu de tout ce qui est formation professionnelle. On avait tenu une campagne chez les opérateurs économiques, on avait fait un peu de porte-à-porte chez les opérateurs, au réseau industriel, c'est Steven Kipan, Mouchard, pour inciter les entreprises à former leur personnel. Je crois qu'au Maroc, on a un vrai problème de formation professionnelle. Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin, vous vous rendez compte que même le vendeur n'a pas fait une formation. Tout ce qui est conducteur vendien, par de la logistique. Moi, je me rappelle une fois, j'avais reçu un conteneur de l'Espagne dans mon entreprise. Et puis, pour faire descendre une machine, pratiquement, il y avait 8 ouvriers. Et puis, on avait des difficultés à mettre en place cette machine. Finalement, deux Espagnols qui étaient arrivés avec un camion, son adjoint, ont réussi à faire descendre toute la marchandise en quelques heures. Donc, c'est un petit exemple pour inciter les entreprises qui peuvent gagner du temps, qui peuvent maîtriser mieux leurs prestations par une formation de ce genre. Donc, le problème qui se pose, c'est l'adaptation de l'emploi du temps, si vous voulez, de nos employés et de la formation professionnelle. Il faut réfléchir à des mécanismes, par exemple, une formation avant embauche, pré-embauche. Parce qu'une formation au cours on sait très bien que les semaines sont remplies, on a des chantiers, on a des projets. Si on envoie notre personnel pour une formation, ça c'est un peu difficile à gérer. Donc c'est des points qu'il faut tenir compte. Mais je crois que c'est un secteur qu'il faut aborder. La logistique, aujourd'hui c'est l'avenir. La logistique, on a besoin de la logistique dans toutes les prestations. Et donc je peux que vous souhaitez une journée réussie pour ce thème. Et j'espère qu'il y aura d'autres thématiques semblables pour la formation des entreprises. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Lisibilité au niveau des journées de formation, coût de la formation, chose qui a été prise en considération, vous allez le remarquer aujourd'hui sur ce programme-là, puisque les formations qui sont prises en charge à 100% de ce programme. Donc, la première des choses. La deuxième des choses, en termes de flexibilité, nous prenons en considération les week-ends aussi dans les actions de formation. Et donc, il y a une large flexibilité dans ce programme. Vous avez constaté tout à l'heure sur la présentation. Merci encore une fois, M. le Président. J'invite M. Claude Moussey, le représentant du Centre régional d'investissement, un petit mot. Ça va tout. Bonjour, Je vais d'ailleurs. كان بغينا نرحب بالوكالة العربية للتنمية اللوجستية في مدينة مكناس. وما نكذبش عليكم عندنا إحساس كما كان مكنسة هاد وكالة البعد المركزية، المركزية اللي ما عندهمش تمثيلات جهوية أنهم كيشتغلوا في المركز. إلى أن يثبت العكس، والعكس ثبت البارح كنت في مدينة ديال فاس واليوم راكم في مكناس، وثبت أكثر هذه الأسابيع ولا أشهر حنا كنشتغلوا معكم على برنامجين، أول برنامج أول انطباقية جهوية للتنمية في المناطق اللوجستية. اللي كتشمل مدينة مكناس كذلك مدينة ديال فاس ومناطق أخرى في الجهة وكذلك البرنامج دعم الشركات اللي كتشتغل في ميدان لوجيستيك اللي اليوم انتوما باش تعطيو للشركات شنو هما هاد البرامج شنو هما التمويلات شنو هو الدعم اللي كتعطي الوكالة ديال التنمية اللوجيستيك عن طريق بواسطة الوزارة الوصية
القطاع من اجل المواكبه ديال هاد الشركات. وما كيخفاش عليكم الناس حاضرين هنايا، عندنا في مكناس عندنا احساس كذلك انه مدينه تمشي بواحد جوج سرعات. السرعه الاولى هو ان واحد المدينه اللي عندها واحد القدره هائله لجذب الشركات الاجنبيه متعدده الجنسيات، جنسيات زاكي جات دلفي جات شورا جات ويرهام جات انتلسيا، الشركات اللي كيخدموا على اليوم الحالي اكثر من واحد 8000 منصب شغل. ومع ذلك السرعه الثانيه هما شركات ديال النسيج، الشركات المتوسطه والصغيره اللي كتعاني بزاف ديال المشاكل، الولوج للعقار، مشاكل اداريه، مشاكل في التمويل، مشاكل في الولوج المعلومه من اجل الحصول على التمويلات اللي كاين، ولكن مع الاسف يعني ما كيعرفوش دائما لا في المغرب مقاولات مع بي ام او، لا في كاسون حال دو غارونتي، لا في حاليا في لاجونس مع ديفلوبمون لوجيستيك. وحنا كنعتقدوا ان هذه مناسبه للجميع باش انه يتوصل ويتعرف على هذه المعلومات هذه، ونعطيكم بعض الرسائل. نتمنى ان شاء الله انه من هنا قدام تكون دائما هذه السياسه القرب، تكون هذه المواكبه، وتكون كذلك هذه سياسه التواصل من اجل الشركات المكناسيه من اجل تستافد الاكثر ولا المستطاع اكثر ما يمكن من البرامج اللي كتسمح لها المغربيه. شكرا لكم. الايمان اللي كتجسد العلاقه ديال التواصل مع المقاوله بصفه عامه، واللي كتجسد بيان سور ان المستقبل واعد في المنطقه ديال مكناس ان شاء الله. Avant de terminer, donc, je passe la parole à M. Driss Hassim de la Chambre de commerce, d'industrie et de services pour en dire un mot, puisque vous êtes un partenaire dans cette caravane. Salam alaikum, tout d'abord bonjour. Je ferai une allocution du mot du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région face à l'Ukraine. Donc, au profit de la journée du vendredi. Donc, mesdames, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le président de la AMDL, monsieur le président de la GIAC et monsieur le président de la CGM Ernest Ifrain. Tout d'abord, au nom du président, des membres et des cadres de la Chambre de commerce, d'industrie et services de la région Fassim Ernest, nous vous souhaitons la bienvenue à la capitale ismaélienne. On vous remercie d'avoir organisé cet important événement à notre ville pour éclaircir et donner le maximum d'informations le programme PME. Logique. Ce programme qui a été initié et préparé par l'Agence marocaine de développement et de logistique avec ses partenaires s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie logistique nationale et particulièrement dans son axe afférent de développement, au développement des acteurs logistiques performants et intégrés. Et aussi, il vise à rehausser le niveau des pratiques logistique au sein des PME marocaines, en vue de leur alignement, les meilleurs standards et normes, et à faire émerger une offre de services logistiques permanente adoptée aux besoins des acteurs économiques et renforcer les compétences logistiques au sein de la PME marocaine. Ce programme qui cible aussi bien les opérateurs logistiques que les chargeurs d'ordre. Il offre aussi aux PME plusieurs possibilités d'accompagnement technique et financier, notamment en matière de diagnostic de la fonction logistique au sein de l'entreprise et le déploiement des projets d'externalisation logistique et de développement des systèmes d'information logistique, ainsi qu'en matière de certification et d'information des métiers logistiques. Nous sommes disponibles à la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Fès-Méguès pour accompagner cet important programme pour la sensibilisation et le suivi de nos adhérents, afin qu'ils puissent bénéficier des avantages de PME Logis, chose qui va leur permettre d'améliorer leur compétitivité globale vis-à-vis de leur environnement national, international et de plus en plus concurrentiel. Enfin, je souhaite un succès à nos travaux et je rappelle que nous sommes toujours disponibles à la Chambre de commerce d'industrie de la région Fès-Méguès pour toute éventuelle collaboration avec la MTL et ses partenaires dans le futur. Aussi, je tiens à remercier M. le Président de la Chambre de commerce, M. Badr Tahiri, qui a permis ce partenariat avec la MTL. Je tiens également à citer les personnes qui ont eu le premier contact avec les responsables de la MTL, moi-même, M. Ali Abadon, vice-président de la Chambre de commerce,
que je remercie, et je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette importante journée d'information et de logistique. Merci beaucoup à l'assistance. De notre côté, on remercie le président de la Chambre de commerce et d'industrie et des services de l'UNESCO. J'invite Mouna Ndoudina pour la présentation, bien sûr, de ce programme. Bonjour à tous et bienvenue à cette journée d'information sur le programme Pneumologis. Moi, je vais aller à la classe. Donc, très rapidement, on va parler un petit peu du contexte de la mise en place de ce programme, de ses objectifs et de sa cible. On va ensuite dérouler le catalogue des produits offerts par le programme, ainsi que les différents outils de gestion mis en place pour justement garantir le bon déploiement du programme. Nous allons ensuite présenter les procédures d'un côté pour le référencement des cabinets et d'un autre côté pour l'accès au financement par les PME, pour finalement vous donner un petit aperçu sur la palette des cabinets qui ont été référencés jusqu'à présent. Donc PME Logis est un programme d'accompagnement spécifique pour le secteur logistique. C'est un partenariat public-privé entre d'un côté l'Agence marocaine de développement de la logistique et de l'autre côté la CGEM, la FTL, donc la Fédération de transport et de la logistique, et le Jeune Transport. Donc c'est un programme qui reprend un peu et qui intègre les besoins du secteur de la logistique à travers bien sûr la concertation avec différentes associations professionnelles. Il vient donc répondre à une forte demande d'accompagnement des PME, accompagnement aussi bien technique que financier sur différents volets, dont les études, les diagnostics logistiques, les systèmes d'information, les certificats. Donc aujourd'hui, on était à Meknès lors de cette journée qui a pour objectif de vulgariser le programme PME Logis. C'est un programme qui propose un appui technique et financier aux entreprises, notamment les PME, à la fois chargeurs, donneurs d'ordre et des opérateurs logistiques, des transporteurs. Donc c'est une caravane de promotion qui va toucher l'ensemble des régions. Donc on l'a fait auparavant Fès, c'était hier, aujourd'hui on est à Meknès. Donc on a eu un échange très fructueux avec les PME, avec les cabinets, sur les démarches, comment bénéficier de ce programme. Et on a eu aussi des propositions, de nouvelles idées justement pour enrichir le programme. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est d'optimiser l'écologistique des entreprises, de moderniser les pratiques, de développer les compétences. Et justement ce programme PME Logis s'inscrit dans cette logique et en espérant que les entreprises de la région Meknès puissent en bénéficier en bloc. Donc on a eu un débat très constructif, donc notamment de l'assistance, donc notamment en ce qui concerne le référencement des cabinets. Aujourd'hui on a expliqué le processus de référencement qui se compose de trois composantes administratives et un bloc qui concerne le cabinet, un autre bloc qui concerne le consultant. Donc les experts, en tout cas présents, ont relevé certaines difficultés par rapport à trouver en tout cas des cabinets ou là, des consultants experts en la matière dans la région. Donc d'autres entreprises aussi ont manifesté, en tout cas ont soulevé la difficulté d'adhésion au programme, des faits qu'aujourd'hui il y a une certaine méfiance vis-à-vis en tout cas des actions publiques. Donc nous avons aujourd'hui, cette action s'inscrit dans le cadre de proximité justement pour expliquer les entreprises, les enjeux et les objectifs des programmes. Donc on a eu beaucoup de débats. Nous essayerons justement d'adapter, d'ajuster quelques difficultés pour justement tenir compte des spécificités sectorielles. Et donc, espérons effectivement qu'on aura une adhésion des entreprises et qu'on aura des cabinets de la région aussi qui peuvent par la suite accompagner leurs clients. Merci. En termes de financement, quand même, on parle quand même de plafonds importants. Aujourd'hui, le programme propose des taux
en tout cas des taux de financement importants. Ça varie entre 74% à 90% pour tout ce qui est produit d'études et de diagnostic et de système d'information. Et pour la formation, le plus important, parce que ça touche les ressources humaines d'entreprise, ça touche les compétences. Là, par contre, c'est un financement qui est assuré à 100%. Ça veut dire que l'entreprise ne paye pas. Donc voilà, donc j'espère que en tout cas ce programme suscite l'intérêt des entreprises. Après la présentation de cette matinée qui a été consacrée bien sûr à la présentation du programme de mise à niveau logistique des PME avec tout en présentant l'ensemble des produits, comment l'entreprise peut bénéficier, comment le cabinet peut être référencé. Cet après-midi qui vient de démarrer à l'instant même, il y a certaines entreprises qui ont bien sûr qui sont en train de s'inscrire dans ce programme avec bien sûr une assistance qui est mise à leur disposition à travers la mobilisation de deux personnes qui sont en train de répondre attentivement à leurs questions et en même temps de les inscrire sur la plateforme qui est dédiée à ce programme. Donc aujourd'hui, on est en train de l'après-midi, c'est une concrétisation et c'est une adhésion bien sûr des entreprises sur ce programme via bien sûr l'inscription aujourd'hui même sur la plateforme PMEBRICS. Justement, donc, comme j'ai expliqué, nous avons aujourd'hui avec nous des cabinets qui sont les ambassadeurs du programme. Ils sont en train, il y a les gens de la UDL qui sont en train de leur expliquer la démarche pour qu'ils puissent d'abord se référencer dans ce programme et en même temps accompagner les entreprises. Parce que pour nous, le plus important, c'est que le cabinet puisse accompagner les entreprises pour qu'ils puissent s'inscrire et bénéficier du programme. Ça, c'est très important. Donc voilà, donc comme vous le constatez, comme vous voyez, ça c'est la plateforme que vous voyez aujourd'hui, ça c'est la plateforme. Ousteda est en train d'expliquer comment s'inscrire et comment déposer l'ensemble des documents exigés pour être référencés et comment les inscrire. Parce que même si le guide il existe, mais aujourd'hui on est en train quand même de les accompagner, de les assister, chacun bien sûr, pour qu'ils puissent accompagner ces entreprises. Là on est vraiment dans un chantier dédié à l'inscription des heures des entreprises. Quand vous allez enregistrer, les données, vous n'allez jamais les refaire. Voilà. Là, c'est la même chose. Les documents administratifs, il dispense le cabinet pour que la prochaine fois, on ne dépose pas, on ne doit pas refaire le même enregistrement des documents qui vous les choisir. Dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine